Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Technopole Eureka Tech et Le Fabrique Université de Poitiers. Ce webinaire est consacré à l'intelligence artificielle, ses usages actuels et perspectives pour la société. Nous avons trois intervenants aujourd'hui, Jean-Christophe Burier, donc de l'Université de La Rochelle. Axel Buendia du CNAM Ingemin, donc Charles-Alexandre Lestage du Fabrique Université de Poitiers. Je vous laisserai vous présenter chacun de plus en détail. Nous avons aussi Franck Giannelli de la Technopole Eureka Tech qui va vous dire deux, trois mots sur la Technopole. Alors, on avait une quarantaine de personnes qui étaient inscrites aujourd'hui. Pour l'instant, on est à peu près une vingtaine, donc je pense qu'on va avoir des retardataires. Peut-être aussi qu'on a certaines personnes qui sont sur la route pour rentrer chez eux pour le couvre-feu. C'est peut-être aussi une possibilité. J'en profite aussi pour vous dire que nous préparons un autre webinaire avec le Fabrique le 25 février. Ça sera un webinaire qui sera consacré à la collaboration graphique sur Internet. Je ne sais pas si Charles-Alexandre, tu as les noms sous les yeux des intervenants, puisque je me... Effectivement, effectivement. Donc, nous aurons la chance d'accueillir Don Foresta du logiciel Marcel, qui est un logiciel de collaboration artistique sur Internet. Et du Fabrique, nous aurons également Frédéric Curien, qui est également enseignant à l'ESI. Et nous aurons Jean-Marie Dallet, qui est professeur à Paris 1 et membre du Fabrique. Voilà, donc surveillez les réseaux sociaux de la Technopole pour avoir le lien d'inscription. Mais voilà, donc ça sera le 25 février à 17h30 aussi. Voilà, vous en saurez plus en consultant la page Facebook et le LinkedIn de Recatech. Voilà, peut-être qu'on peut commencer. Franck, peut-être si tu peux nous dire deux, trois mots sur la Technopole. Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, j'ai la lourde charge de vous présenter la Technopole Eureka Tech. Donc, c'est un outil au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, elle a un statut sous forme d'association qui a été créée en 2018. Et la Technopole intervient sur deux territoires, Grand Angoulême et Grand Cognac. C'est une technopole qui fait de l'accompagnement de projets généralistes, mais qui a trois domaines de spécialisation au regard du tissu économique local. Donc l'image, le numérique et les industries culturelles et créatives. Donc on en est vraiment au cœur de l'activité du Fabrique qui vous sera présentée tout à l'heure. Un autre domaine de spécialisation qui est tout ce qui est process et industrie du futur. Voilà. Et enfin, le pan plutôt cognacé, luxe, design et packaging. Pour cela, elle a des outils associés, elle a une plateforme technologique plutôt orientée usine du futur et la Technopole est en train de développer un espace d'expérimentation dans le domaine de la formation immersive. Ses partenaires sont la région, Magélis, l'Université de Poitiers et d'autres partenaires, et bien sûr Grand Cognac et Grand Angoulême. Voilà. Les trois grandes missions de la Technopole, vous l'aurez compris, c'est de l'accompagnement individuel de projets à caractère innovant. Il y a 31 projets qui ont été accompagnés sur l'année 2021, suivant des parcours d'incubation, de développement et de croissance. Voilà ce qui se fait habituellement. On a également en charge l'animation territoriale, telle que des projets collaboratifs entre des grands comptes et des startups, l'organisation de tables rondes ou de webinaires, tels que ceux d'aujourd'hui, et également un parcours d'internationalisation des entreprises qu'on accompagne. Et enfin, la Technopole s'occupe de marketing de l'innovation et de la promotion territoriale, au travers de dispositifs tels que le Challenge Positive, les festivals de l'innovation, le festival Eureka Tech Fest ou des salons professionnels. Voilà. Et juste donc, bien sûr, dans le cadre des activités de la Technopole, on accompagne des projets qui intègrent l'intelligence artificielle, donc sans les nommer, des sociétés telles que MrBot avec ses agents conversationnels, Fast dans le domaine
de l'assurantiel, des boutiques, voilà, et puis ITK, et on met trois petits points derrière tout ça. Donc, je ne vais pas plus prendre la parole et je la laisse tout de suite à Charles-Alexandre pour vous présenter les activités du Fabrique. Et je vous remercie encore toutes et tous pour votre présence à ce webinaire. Juste deux petites infos techniques que j'ai oubliées. Je vous conseille à tous d'utiliser le navigateur Chrome si vous voulez avoir une qualité optimale de visionnage pour ce webinaire. Et deuxième chose, vous avez un onglet chat et questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Soit les intervenants les prendront à la volée pendant leur intervention, soit je les remonterai à la fin du webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je passe la parole à Charles-Alexandre. Merci. Merci Laetitia, merci Franck. Je me présente, je m'appelle Charles-Alexandre Delestage, je suis chercheur postdoctorant au sein du Fabrique où je dirige également la partie lab. Pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que c'est le Fabrique, le Fabrique c'est une équipe de recherche interdisciplinaire dédiée aux industries culturelles et créatives. C'est une entité qui est soutenue par, bien sûr, Grand Angoulême, la région Nouvelle-Aquitaine, l'État français et l'Union européenne, qui est placée sous la tutelle de l'Université de Poitiers, de la Maison des sciences de l'homme et de la société et du CNRS. C'est une équipe qui réunit des chercheurs en économie, gestion, communication, en numérique, droit du numérique, propriété intellectuelle, sciences et techniques informatiques. Et donc, nous avons le plaisir ce soir de vous présenter cet atelier débat sous forme de webconférence autour de l'intelligence artificielle. Pour cela, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants qui sont Axel Buendia et Jean-Christophe Burry. Je vais vous laisser vous présenter d'abord dans l'ordre alphabétique. Axel, est-ce que tu veux nous présenter en deux mots qui tu es ? Bonjour, je m'appelle Axel Buendia, je suis professeur titulaire de la chaire Médias Interactifs Numériques au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, et je suis fondateur de la société Spirops, qui travaille dans l'intelligence artificielle, qui a fêté il y a quelques semaines ses 17 ans déjà. Voilà. Félicitations. Et nous avons également donc Jean-Christophe Burry. Jean-Christophe. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis professeur en informatique au laboratoire informatique image interaction de La Rochelle Université. Et mon domaine de recherche tourne autour de l'analyse d'images et de la reconnaissance des formes. Et ces thématiques de recherche m'invitent depuis plusieurs années à utiliser effectivement l'intelligence artificielle pour essayer d'extraire l'information que je vais appeler de pertinente. On va revenir tout à l'heure. Super, merci beaucoup. J'en profite pour rappeler que si vous avez des questions à faire remonter ou des échanges, n'hésitez pas à utiliser la partie chat et questions sur le côté de l'interface. Aussi, si vous souhaitez revoir les échanges qui auront lieu ici, ils seront disponibles en VOD sur la chaîne du Fabrique et peut-être autre part, ce sera très certainement partagé par les laboratoires Cédric et Elfrasi, j'en suis sûr. Pour situer un petit peu le périmètre de la conférence, comme on l'avait indiqué dans la communication, l'intelligence artificielle, c'est pas un domaine qui est nouveau, hein, c'est étudié depuis la fin du XXe siècle au moins, mais elle a connu effectivement un essor extrêmement important au début des années 2000 et surtout ces dernières années. Et on entend très souvent parler de nouvelles applications qui utilisent l'IA, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans l'industrie. Et donc, le but de cet atelier débat, c'est de faire un petit peu le tour de qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle et de voir un peu quels sont les usages aujourd'hui dans la société et quelles sont les perspectives pour demain. Donc, on va aborder une première thématique où on va essayer de définir de façon intelligible, bien sûr, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors pour ça, Jean-Christophe, je te laisse la parole pour nous esquisser un petit peu qu'est-ce que c'est que cette IA dont on entend tout le temps parler. Oui, alors si on essaye de définir l'intelligence, c'est compliqué parce qu'il y a aussi plusieurs courants de pensée qui s'affrontent, mais globalement, l'intelligence artificielle, on va dire, c'est de développer un ensemble de théories et de techniques qui ont pour but de réaliser des machines, hein,
des ordinateurs, enfin des machines capables de simuler l'intelligence. Alors, l'intelligence en elle-même, c'est compliqué à définir, et si on regarde le fonctionnement humain, puisque ça va être notre modèle, l'idée, ça va être de développer des mécanismes pour essayer de déjà représenter la connaissance, puisque ce qu'on connaît, comment informatiquement on peut le représenter pour être ensuite manipulé par les ordinateurs. Et ensuite, quels sont les mécanismes qui vont permettre d'avoir ce raisonnement, c'est-à-dire comment, à partir d'hypothèses, on va déduire certaines choses. C'est ce qu'on fait tous les jours, on anticipe, parce qu'on a une certaine connaissance qu'on a dans notre cerveau et que l'on peut utiliser pour faire des hypothèses, enfin, faire l'hypothèse et surtout en tirer des conclusions. Et surtout, la particularité humaine, c'est de pouvoir apprendre. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Un enfant, dès son plus jeune âge, va apprendre un ensemble de choses qu'il va accumuler au cours de sa vie pour ensuite pouvoir les restituer. Et donc, l'idée, c'est de développer des machines qui vont être capables de faire ça, sachant qu'il y a des courants de pensée un peu qui s'opposent, mais bon, globalement, c'est la définition qu'on peut donner. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement. Comme tu l'as dit, Charles-Alexandre, c'est pas nouveau. Hein. En fait, c'est là, dans les années 60, ça commence. Enfin, l'idée était déjà apparue de cette intelligence artificielle. Simplement, ce qui a lancé cet engouement récent, c'est tout ce qui a trait, alors, ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage machine, qui est une petite partie finalement de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui fait dont on entend beaucoup parler. Derrière, enfin, ce qu'on appelle le machine learning, c'est surtout ce qu'on appelle les apprentissages profonds, ou en anglais le deep learning, qui consiste à utiliser des théories, comment dire, de permettre à un ordinateur finalement de reconnaître des motifs. Alors, ça va un peu gâcher, puisque derrière le théorème, enfin, la notion d'intelligence, on va pouvoir montrer qu'un ordinateur, effectivement, il est intelligent, mais parce qu'il va apprendre, on va lui apprendre à faire une certaine tâche. Donc, la définition du machine learning, elle est confuse pour nombreuses personnes, mais globalement, l'idée, c'est de montrer à un ordinateur un certain nombre de choses pour que celui-ci se les approprie, identifie des motifs particuliers, et après, on va être sur la statistique, pour pouvoir restituer. C'est-à-dire que l'ordinateur, lorsqu'il va prendre une décision, c'est par rapport à l'ensemble des choses qu'il a apprises, il va pouvoir dire, ben, statistiquement, j'estime que ce que j'ai vu, ça correspond à telle chose. C'est comme ça qu'on va apprendre un système à reconnaître la parole, on va reconnaître des objets précis dans des images, ou un certain nombre de choses, on pourra aborder des différentes applications dans les minutes qui viennent. Bien sûr, merci beaucoup. Du coup, Axel, est-ce que toi, tu viens challenger un petit peu cette définition ou, j'ai vu des hochements de tête, donc je pense que tu y souscris. Peut-être parler, on a parlé un petit peu du machine learning, qui est effectivement une petite partie de ce qu'on parle en termes d'IA. Je sais que tu diriges l'Engmin, qui est une école de jeux vidéo assez réputée. L'IA en jeux vidéo, c'est pas non plus très nouveau. Donc, est-ce que tu peux nous esquisser un panorama peut-être un petit peu plus large de l'IA? Oui, alors l'IA et l'informatique ont toujours été liés parce que les ordinateurs, dès leur création dans les années 50, les premiers ordinateurs, 40-50, étaient déjà dans l'esprit de créer des machines capables de faire ce que fait le cerveau, une partie de ce que font les tâches humaines, et de les faire plus vite et plus rapidement que nous. Et donc du coup, les machines sont très liées à l'intelligence artificielle. Après, ça s'est dissocié, hein, les ordinateurs ont eu leur propre vie et lié à la sienne, et puis ça, de temps en temps, ils se recroisent. Mais c'est très lié à l'origine. Et donc, on distingue des grands champs de l'intelligence artificielle. Il y a l'apprentissage dont on vient de parler, mais il y a aussi le raisonnement déductif. C'était les premières vagues, on va dire, grandes réussites de l'intelligence artificielle. On a réussi à faire des programmes qui étaient capables de raisonner de manière déductive, donc d'enchaîner des conclusions. S'il pleut, alors je dois prendre mon parapluie. Si je prends mon parapluie, alors il faut que... où est-ce que je vais? Je vais dans l'entrée pour aller chercher, etc. Donc, on a des systèmes déductifs comme ça qui marchent pas mal, qui ont pu faire des preuves mathématiques notamment aussi, démontrer des théorèmes mathématiques. Donc, on va assez loin. Et puis, en plus, on a une autre problématique qui est importante. C'est la représentation des connaissances, c'est-à-dire comment la machine se représente le monde qui l'entoure. Une fois qu'elle a fait une analyse des images, comme Jean-Christophe vient d'en parler, elle va étiqueter des symboles sur ces images, c'est-à-dire dire là c'est un chien, un ballon, etc. Et après la question c'est comment elle va modéliser ça dans son esprit, dans sa mémoire, pour que ce soit le plus efficace possible, pour pouvoir raisonner dessus, retraiter les informations, répondre à des questions qu'on lui pose, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle la représentation des connaissances.
dont l'une des grandes émanations est l'Internet et les moteurs de recherche, qui sont une forme de représentation des connaissances que vous utilisez très régulièrement. Il faut savoir qu'il y a une tonne de théories derrière tout ça. Donc, il y a les dialogues. Le dialogue, c'est une des tâches les plus complexes que l'être humain effectue, on va dire. Alors, il y a des discussions, mais on va dire que c'est quand même une des tâches les plus complexes qu'il effectue. Et c'est pour ça qu'Alan Turing, un des fondateurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle, a désigné dans son fameux test de Turing le dialogue comme étant la tâche la plus complexe à essayer d'imiter dans son Imitation Game, d'où le titre du film il y a quelques années, la tâche la plus complexe que l'humain, que l'ordinateur devrait pouvoir imiter sans se faire reconnaître comme étant un ordinateur. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a plein de domaines. Hein. On a parlé là de traitement d'image, reconnaissance d'image, de traducteur automatique, hein, tout ce qui est reconnaissance de texte dont parlait Jean-Christophe. On a vu des progrès colossaux qui ont été effectués dans les traductions automatiques. Aujourd'hui, on a des outils qui ne sont pas parfaits, hein, loin de là, mais qui quand même, par rapport à ce qui existait il y a une dizaine d'années, vont bien plus loin. Résolution de problèmes. Là, j'ai vu une question sur l'éducation. L'IA commence à faire son apparition dans l'enseignement. L'objectif, c'est toujours pareil. C'est en fait l'informatique, c'est simple. Il est plus fort, il calcule plus vite que nous. Il a une mémoire parfaite. Hein, c'est un ordinateur, donc il peut mémoriser les choses parfaitement. Et donc ça, c'est ses grandes forces. Et il peut ingurgiter une quantité d'informations bien supérieure à la nôtre. Hein. Il lit bien plus vite que nous. Si vous êtes au courant. Et ça fait que s'améliorer. Et donc ça, c'est ses grandes forces. Donc partout où il y a beaucoup d'informations à ingurgiter, beaucoup de calculs à faire et mémoriser des choses parfaitement, évidemment, il sera toujours plus fort qu'un humain. Et on va dire que les grandes faiblesses qu'on voit aujourd'hui dans les IA, c'est raisonner sur l'incertitude. Comme il a besoin, comme il a assez de confort d'avoir toutes ces informations qu'il mémorise, dès qu'il n'a pas toutes les informations, ça devient plus compliqué pour lui d'imaginer des raccourcis. Notre cerveau, il faut savoir qu'il n'est pas aussi logique qu'on peut bien le croire. Il a plein ce qu'on appelle des biais cognitifs, il utilise plein de raccourcis dans ses raisonnements, mais qui heureusement nous permettent de réagir correctement et de prendre des décisions assez vite, hein, dans des situations où on connaît la plupart du temps pas du tout les tenants et les aboutissants, ce qui ne nous paralyse pas pour autant. Et donc dans ces tâches où on calcule plus vite, bah, typiquement dans l'enseignement et dans l'éducation, il peut suivre les étudiants, chaque étudiant séparément, puisqu'il peut se démultiplier facilement, donc il peut suivre indépendamment ce que font les étudiants dans les exercices. Il peut essayer d'apporter des raisonnements sur les réussites et les échecs des étudiants, savoir là où leurs points faibles et leurs points forts, les déduire, faire des synthèses à l'enseignant qui se retrouve du coup directement avec des suivis très proches et très précis de tout ce qui a été fait par les élèves, et à l'enseignant de réagencer, éventuellement de rajouter des cours, d'aller voir certains élèves en difficulté, etc. Donc il faut voir vraiment l'IA, et c'est la plupart des choses qu'on peut voir hein, dans les domaines, c'est que comme on le disait tout à l'heure, hein, comme le disait Jean-Christophe, l'IA, elle sert à réaliser des tâches. Mais elle ne sait pas réaliser des métiers. C'est un peu la frontière. Donc, elle va être très forte dans des tâches très précises qu'on va lui confier, là où, comme on le disait, beaucoup de calculs, beaucoup de données à ingurgiter et beaucoup de mémoire. Mais le sens commun, la créativité, c'est un domaine intéressant où il y a des succès, les jeux, l'échec, le Go, StarCraft, Mario, enfin, on a plein d'IA qui jouent à des jeux. Ça reste des tâches assez précises. Pareil dans la créativité, on a des IA qui font des Rembrandt, qui peignent comme Rembrandt, qui sont capables de créer des nouvelles toiles. Est-ce que c'est vraiment créatif? Est-ce que c'est de l'imitation? Est-ce que la créativité, ce n'est pas de l'imitation avec une combinatoire? Tout ça, on touche un peu les limites philosophiques de ce qu'on connaît de l'humain aussi, comme pour l'intelligence tout à l'heure. Et donc finalement, ça nous fait poser des questions sur nous-mêmes. Et ça, c'est une partie intéressante aussi de l'intelligence artificielle. Mais ça, on y reviendra sur ces questions un petit peu... un petit peu philosophique, voire éthique, plutôt sur la fin. Une chose extrêmement importante dans le développement de tout ce qui est intelligence artificielle en machine learning, c'est la possibilité qu'ont offert tous les ensembles en big data. Donc, pour revenir rapidement là-dessus, c'est le fait de pouvoir accumuler une quantité énorme de données. Et le fait d'avoir cette très, très grande quantité de données, ça permet d'entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle de façon à apprendre selon des sets de règles ou d'inférences qui leur sont proposées. Juste peut-être Jean-Christophe pour revenir sur cette partie un peu data, à quel point, peut-être préciser à quel point ces grands ensembles, la façon dont ils sont traités sont, est critique, peut-être revenir un petit peu là-dessus.
Alors, avant de répondre à cette question-là, je dirais que effectivement, ce qui a fait la différence et l'engouement avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Globalement, les concepts utilisés, notamment sur les aspects deep learning que j'évoquais tout à l'heure, n'ont pas changé. Hein, le principe de base n'a pas changé de celui qui a été présenté dans la fin des années 80. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on avait des ordinateurs beaucoup moins puissants et surtout, on avait beaucoup moins de données à traiter. Et à partir du moment où on a des ordinateurs capables de traiter massivement énormément d'informations et surtout de créer des quantités de données, et c'est vrai que si on prend l'exemple de Google qui accumule plein d'images, des millions d'images qu'il va récupérer sur Internet un peu partout, il s'est créé des bases de données énormes et donc il a pu nourrir ses algorithmes et donc son système pour faire reconnaître certains éléments à ses ordinateurs, enfin à ses algorithmes. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est la puissance de calcul et l'accumulation de données qui ont permis justement le développement de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît. Alors, la problématique, effectivement, c'est que lorsqu'on n'a pas suffisamment de données, l'IA peut avoir des difficultés à apprendre. Et en tant que laboratoire de recherche, effectivement, lorsqu'on est on doit traiter certains, en termes de reconnaissance des formes, d'objets, si on n'a pas suffisamment de données, on ne peut pas utiliser les algorithmes d'IA tels qu'on les connaît, parce que contrairement à un enfant où on va lui montrer une chaise et qui va comprendre ce qu'est le concept d'une chaise, un algorithme, il va falloir lui montrer des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de chaises pour qu'il comprenne ce que c'est qu'une chaise, pour ensuite pouvoir reconnaître une chaise. Alors derrière cette accumulation de données, se pose le problème. J'anticipe peut-être sur la troisième partie, mais l'ensemble de ces données, c'est où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce que ce sont des données personnelles? Et notamment, tout à l'heure, on parlait de l'éducation. Pour pouvoir identifier les difficultés d'un étudiant, il faut définir son profil. Et donc, on va accumuler un certain nombre de données sur cette personne. Alors, est-ce que l'étudiant est au courant ou pas? Ça, c'est la question. Donc, il faut qu'ils soient informés, d'une part. Et l'ensemble de ces données, comment elles sont traitées? Et effectivement, la machine peut les traiter, mais l'inconvénient, c'est l'utilisation de ces données, effectivement, éthiquement, peut poser problème. C'est un sujet assez délicat. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, effectivement, oui. La question de l'éthique autour de l'IA et de ses utilisations, on y reviendra un petit peu plus à la fin de l'atelier débat, mais effectivement, comme tu le disais, à partir du moment où on a besoin de très grands ensembles de données pour entraîner ces IA, comment on les récolte, comment on les obtient, c'est une question, et les réponses apportées sont quelquefois discutables. Alors, je vais juste prendre une question qui est posée dans le chat, et je vais la poser à Axel. D'un point de vue purement théorique, quelle est la limite de l'IA, du coup? Alors, juste, je reviens juste sur ce qu'a dit Jean-Christophe. Donc, je rajouterai deux choses. C'est un, il faut beaucoup de données, mais il faut qu'elles soient annotées quand même. C'est-à-dire qu'on a un problème grave, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'accumuler des données, il faut quand même que... Et ça, c'est la finesse de Google, c'est que non seulement il a beaucoup d'images, mais en plus, au travers des requêtes, quand vous ne sélectionnez pas une image, il se dit que le mot-clé ne correspond pas à la requête, aux images qu'il a proposées. Et ça lui permet d'apprendre constamment. Parce que cette annotation que vous faites en ne choisissant pas l'image, c'est une annotation pour lui. Et ça, c'était très intelligent de la part de... En fait, c'est Flickr qui a inventé ça, mais peu importe. Voilà, donc ça, c'était très malin. Donc l'annotation, c'est un gros travail, parce que parfois, les données, malheureusement, ne sont pas annotées. Et donc, du coup, ça pose un problème majeur, puisque l'annotation devient complexe et on n'arrive pas à faire de l'apprentissage. Et le deuxième rajout, c'est les systèmes de deep learning ont besoin de beaucoup d'apprentissage et beaucoup de données, c'est vrai, puisque ce sont des apprentissages dits statistiques, c'est-à-dire en gros, ils trouvent des convergences, ils trouvent des corrélations, pardon, et ils essaient de faire converger les corrélations. Mais il y a d'autres formes d'apprentissage, par contre, qui apprennent en une fois. Hein. Il existe plein d'autres formes d'apprentissage. Au deep learning, hein, c'est... Voilà. Alors, jusqu'où va l'IA, on ne sait pas. On n'a toujours pas démontré qu'on ne pourrait pas atteindre l'intelligence humaine et on n'est toujours pas arrivé à l'atteindre, donc, et puis on ne sait pas si on la dépassera. Ce qui est sûr, c'est que si on peut imaginer que si jamais on arrive à avoir des mécanismes de raisonnement qui soient proches de ceux de l'humain et des mécanismes d'évolution du cerveau qui soient proches de ceux de l'humain en termes d'apprentissage, on peut imaginer que comme il coquille plus vite que nous et qu'il a une meilleure mémoire que nous, on peut imaginer qu'il soit meilleur que nous.
Pour l'instant, on n'y arrive pas du tout, hein, je vous rassure. Il est très fort dans des tâches très précises. On parlait des échecs tout à l'heure. Hein, les échecs, c'était un des grands enjeux de l'IA pendant très longtemps. Aujourd'hui, vous achetez un programme dans le commerce, il bat la plupart des champions. Enfin, il n'y a plus de challenge pour l'informatique. Mais au fond, ce sont des algos. Et qu'est-ce qui comprend des échecs? C'est une bonne question. Est-ce qu'il peut transcrire ça dans, en philosophie, en termes de vie? Non. C'est pour lui des corrélations mathématiques avec des parties déjà jouées. Donc, on est assez loin, même dans la créativité. Il y a du jazz, on a des systèmes qui jouent du jazz, qui génèrent de la musique, etc. L'IA fait des trucs géniaux, mais dans des tâches précises, quoi. Aujourd'hui, on a du mal à faire une IA plus généraliste, ce qu'on appelle une IA généraliste, d'ailleurs, c'est pas pour rien, qui soit capable d'apprendre des choses comme un bébé, quoi. Alors, vous dites, on montre une chaise à un bébé, il la reconnaît. Enfin, on montre une chaise à un humain, il la reconnaît. En fait, techniquement, si je montre une chaise à un nouveau-né, il va mettre quand même quelques mois avant d'arriver. J'ai dit un enfant, je n'ai pas dit un bébé. Non, c'est pour dire que même l'humain, malgré ses capacités d'apprentissage phénoménales et ses capacités d'induction, c'est-à-dire de classification d'objets, il lui faut quand même un paquet d'années avant d'être capable de faire des trucs à peu près de sens commun qui paraissent évidents pour nous après. Et l'ordinateur, aujourd'hui, on lui demande d'apprendre des choses à partir de données un peu brutes, sans qu'il ait rien appris au début. L'humain, en fait, il apprend d'abord à voir, c'est-à-dire il apprend à distinguer les couleurs, après il apprend que les choses bougent, après il apprend les contours des objets. Et en fait, il empile ses apprentissages les uns au-dessus des autres pour accéder à des apprentissages toujours plus simples qui se basent sur ce qu'il a appris à faire avant. Et les réseaux neurones, on est un peu méchants avec eux parce qu'on leur demande d'apprendre de A à Z un truc super compliqué que nous, on a appris au fur et à mesure avec des étapes bien précises et qui correspondent aussi au développement et de la faculté visuelle, auditive et des facultés cérébrales. Donc, on n'est pas sympa avec eux. Est-ce qu'on va arriver à copier un jour une intelligence artificielle généraliste? Moi, j'ai espoir. C'est ce qu'on fait dans ma boîte. Donc, on espère qu'on va y arriver un jour. Mais bon, je ne vais pas vous le cacher. Ça fait 40 ans. Enfin, non, quand même un peu moins. Ça fait 30 ans que je bosse dessus et on n'est toujours pas arrivé. Mais on ne perd pas espoir. Alors, il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que dans l'image commune, l'humour et les émotions sont l'apanage de l'homme et pas du tout des ordinateurs. Et en fait, c'est totalement faux. Hein. C'est vraiment très, très facile de faire de l'humour à un ordinateur. Et c'est assez facile de lui faire ressentir des émotions. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, que l'humain ait l'impression que l'ordinateur ressente des émotions. Après, qu'est-ce que c'est que ressentir des émotions? Là aussi, on touche un peu à la philosophie, c'est un autre sujet. Mais c'est des apanages qui sont assez marrants parce que dans l'esprit commun, ça va des films de science-fiction en passant par l'émotion est vraiment l'apanage de l'homme, alors qu'en fait, créer un moteur émotionnel qui fait croire à un observateur que l'ordinateur ressent des émotions, c'est finalement pas très compliqué. On le fait pas mal dans le jeu vidéo notamment, enfin, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, c'est assez marrant de voir que parfois les images persistent et s'ancrent dans l'esprit commun alors qu'elles sont parfois fausses. Voilà. Donc malheureusement, il n'y a pas de réponse sur... Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire facilement, c'est que confier une tâche à une société spécialisée en IA, et il y a des chances qu'elle arrive à automatiser une partie de votre tâche. Donc effectivement, ouais, c'est pas... Oui, Jean-Christophe. Oui, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que, comme l'a dit Axel, c'est que les IA, ça fait parfois un peu peur, parce qu'on a peur, enfin, on a l'impression qu'on va être supplanté. Mais comme le disait Axel, c'est si on apprend à une IA à reconnaître un chien, elle ne sera pas capable de reconnaître un chien. De même, si elle sait jouer aux échecs, elle ne sait pas jouer aux dames. Elle ne peut pas transposer. Et j'essaie de répondre aussi à une question qui est posée. Est-ce que la limite, c'est simplement posée par la puissance de calcul? Non, parce que c'est les modèles qu'on utilise actuellement. Comme on a dit, l'intelligence, il y a trois. C'est la représentation des connaissances, l'apprentissage et le raisonnement. Et en fait, lorsqu'on apprend à une IA, on a un modèle, entre guillemets, on essaye de définir un modèle. Et en fait, c'est quoi l'IA? C'est simplement des valeurs numériques qui vont permettre d'aboutir à une conclusion. Et en dehors de ce qu'on lui a appris, elle ne peut pas essayer de se prononcer sur autre chose. Donc pour le moment, on n'a pas de modèle sur ces trois aspects, représentation des connaissances, apprentissage et raisonnement. On n'a pas de modèle, on ne sait pas modéliser ça informatiquement pour que quelqu'un puisse simuler finalement l'apprentissage qu'a un enfant, par exemple, même pour l'amener progressivement. Ça, on ne sait pas le faire pour l'instant. On sait faire par briques, mais tout ensemble, et surtout avoir quelque chose de généraliste, comme le disait Axel, on n'y est pas encore. Je vais répondre aux questions parce qu'il y a deux questions. Oui, et puis après, on passera à la prochaine thématique. Alors, juste moi, je vais répondre par rapport à la question de la part des humanités numériques dès l'origine.
Je pense qu'il faut impérativement, dans ce cas-là, parler des conférences MACI et de la cybernétique, qui ont été une grande part théorique de la réflexion autour de tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut savoir que pendant les années 60, donc à la sortie des guerres mondiales, il y a beaucoup de scientifiques de tout un tas de disciplines, que ce soit en humanité ou en sciences plus fondamentales, qui ont cherché justement à trouver une façon de penser l'humain de manière à... Enfin, le projet de base, c'était vraiment essayer de mettre tout le monde autour de la table pour penser l'humain et essayer de faire en sorte que les drames du XXe siècle ne se reproduisent plus. Et dans le cadre de ces conférences MACI, il y a donc le mouvement de la cybernétique qui s'est créé, qui s'est pensé, où on a tiré plusieurs courants de pensée. Et donc, la cybernétique a donné... beaucoup eu lieu, beaucoup donné pour tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a d'autres courants qui sont partis plus du côté des humanités autour de la cognition incarnée notamment. Donc, je pense à Varela, Vygotsky et autres. Donc voilà, en termes d'humanité numérique, au sens où on l'entend aujourd'hui, est plutôt en recherche. Ça remonte plutôt historiquement aux conférences MACI, et de nos jours, il y a des conférences qui s'appellent les humanités numériques, qui articulent justement la question des humanités et de ce qu'on peut faire d'un point de vue algorithmique et aussi intelligence artificielle. Axel, peut-être tu voulais... Oui, je reprends l'autre question d'après. Oui, vas-y. Donc sur les humanités, oui, alors l'IA, de toute façon, s'intéresse à tout. Hein. Enfin, on s'intéresse à la biomédicale, à la psychologie, à la cognition. Elle va chercher ses sources d'inspiration un peu partout. Donc elle est très gourmande et avide de modèles. Et du coup, ça répond aussi à la deuxième question. Non, c'est en fait juste que le focus de la presse, il est sur le deep learning. Et donc, du coup, c'est des algos dont on entend le plus parler. Mais il y a toujours des gens qui travaillent sur des modèles autres, sémantiques. Même la recherche commence à se désintéresser du deep learning en tant que tel, c'est-à-dire elle s'intéresse plus à comment rendre des systèmes deep learning plus explicatifs, par exemple comment ils pourraient expliquer leur propre raisonnement. Donc l'apprentissage en tant que tel, c'était une étape importante parce qu'avant on n'avait raisonné que de la raisonnement déductif, donc qui n'était pas du tout complet. Hein. L'adaptation, c'est de l'apprentissage. Maintenant, c'est une mode telle qu'on nous a dit, nous, on travaille sur la voiture autonome pour PSA, ils nous disent, mais vous ne faites pas de deep learning. On leur dit, bah non, ils nous disent, bah comment ça, comment vous pouvez faire de l'IA si vous ne faites pas de deep learning? Alors, on a toujours expliqué qu'il y avait plein de trucs dans l'IA, d'autres façons d'apprendre et tout ça, mais bon, c'est juste une question de mode. Il y a plein de gens qui travaillent sur plein de modèles, et donc du coup, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, on est passé de tout déductif où on croyait qu'on pourrait tout faire avec la déduction, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout vrai, que c'était n'importe quoi. Et ça, c'était la fin, l'hiver de l'IA, ce qu'on a appelé, la fin des systèmes experts. Et là, on est passé au tout apprentissage, on va tout apprendre, voilà. Et puis, bon, bah, on va se rendre compte qu'il y a des limites. Et puis, on va essayer peut-être de. Je pense qu'il va y avoir un retour au symbolique. Donc, on va faire ce passage entre les données brutes, arriver à les symboliser, et puis après, à réaffecter des raisonnements sur le symbole. Pourquoi pas faire des apprentissages sur les symboles pour gagner du temps? Et en ça, c'est qu'une étape quoi, parmi l'évolution globale de l'intelligence. Et du coup, je vois des questions qui pop. Alors, tu me donnes une transition toute trouvée pour la seconde thématique, juste pour répondre à la question qui a été posée autour de la limite de... Est-ce que les limites de l'IA sont uniquement causées par un manque de calcul? On l'a rapidement évoqué, non. La réponse est clairement non. C'est plus un problème de modèle théorique sur justement comment on se sert de cette puissance de calcul. Faut bien voir que les possibilités en termes de puissance de calcul aujourd'hui, bon, elles sont pas limitées évidemment, mais elles sont nettement supérieures à ce qu'on a connu ne serait-ce que dans les années 2000. Et même de nos jours, Nvidia a énormément participé à ce mouvement-là, et Google a sa propre architecture de calcul pour tout ce qui est IA. Donc, la limite n'est vraiment pas dans la puissance de calcul, elle est plus justement dans les modèles. Et comme le disait Axel et Jean-Christophe, en recherche, on étudie d'autres possibilités avec peut-être un retour au symbolique pour justement aller plus loin que les modèles qu'on a actuellement.
On va passer sur la deuxième thématique et parler un peu de projets de recherche en cours. Et justement, Axel, je vais te repasser la parole. Parce qu'en tant que dirigeant de la société Spirops, je crois que tu as quelques projets à nous décrire, hein, pour nous donner un petit peu une vision de qu'est-ce qui se fait en ce moment en termes d'IA. Alors, parmi les tâches complexes qu'on arrive à faire, donc nous, on travaille pas mal sur la voiture autonome. Donc, on travaille pour PSA, du coup, sur la voiture autonome de PSA. Donc, aujourd'hui, les voitures autonomes, bah, vous les voyez arriver petit à petit dans vos voitures, en fait. En fait, on passe pas de la voiture complètement conduite par une voiture complètement autonome. Elle commence par freiner toute seule quand vous rapprochez tout de la voiture devant. Elle se gare pour vous. Et donc, on voit l'autonomie qui prend de la main. Le premier grand challenge, c'était l'ESP, le correcteur de trajectoire quand on glisse. Puisque pour la première fois, avec l'ESP, les constructeurs ont mis au point un bus qui permettait à l'électronique de contrôler la voiture, le volant et la vitesse. Et donc, ça a été une révolution dans la voiture automobile. Ça date un peu, l'ESP, hein, ça date un peu. Mais c'est ça qui a embrayé sur la possibilité de faire des voitures autonomes. Et là, il y a deux voies qui s'affrontent. Il y a la voie que je dirais Google, c'est-à-dire on met un capteur qui coûte 50 000 dollars sur le toit de la voiture, et grâce à ce capteur, la voiture a une représentation du monde avec une caméra de profondeur meilleure que celle d'un humain, on va dire, à 360. Le problème, c'est que le prix de la voiture, du coup, augmente de 50 000 dollars. En termes de marché, c'est compliqué. Soit l'approche qu'on a avec PSA, c'est-à-dire qu'on crée des voitures autonomes avec des capteurs qui coûtent vraiment pas cher. Le surcoût de l'ensemble de l'électronique et du pilotage automatique, c'est 5 000 euros sur la voiture. Donc, c'est des sommes qui sont plus raisonnables. Et là, ben, on essaye avec des capteurs qui sont beaucoup moins précis, beaucoup plus soumis aux conditions météorologiques, etc., etc., à avoir quand même une conduite correcte. Donc, il faut savoir que nous, la voiture est capable de s'intégrer depuis une bretelle sur une nationale bondée, de doubler les voitures, d'éviter des travaux, de passer des péages. Le prochain challenge, c'est de faire une navette autonome entre une voiture autonome qui est capable d'aller de la Défense à Roissy, Charles de Gaulle, toute seule. Donc du coup, ça fonctionne de mieux en mieux. Les grands challenges restent l'urbain, et notamment les piétons et puis tous les parapiétons, c'est-à-dire les trottinettes, les skateboards, vélos et autres. En fait, c'est des tâches qui sont complexes parce que les piétons sont plus difficiles à prévoir. Il y a moins d'inertie dans le piéton. Un piéton peut changer de direction instantanément quasiment, alors qu'une voiture ne change pas totalement de direction instantanément. Il y a une inertie due à sa vitesse, etc., à sa masse. Donc du coup, c'est des données qui sont assez difficiles. Et puis surtout, l'accidentologie nous dit, notamment avec les rapports tels que ceux fournis par l'IFTAR, hein, qui est un institut d'observation des accidents, notamment, nous dit qu'en ville, on ne devrait pas rouler à plus de 30, parce qu'en fait, quand on percute quelqu'un, si je freine au dernier moment et si je roule à plus de 30, bah, j'ai quand même des risques de la tuer. Et comme en ville, on n'a jamais une visibilité totalement dégagée, c'est très dur de savoir si quelqu'un ne va pas débarquer sous notre capot. En fait, on devrait rouler à 30. Donc si on confie une voiture en ville à une IA, elle va rouler à 30. Puisqu'elle va appliquer les règles de sécurité qui épargnent la vie des gens autour. Et du coup, ben, à 30, en ville, on se fait klaxonner quand même encore. C'est pas très rapide. Voilà, donc on a des petits problèmes culturels. Puis il y a les problèmes culturels, l'acceptation de laisser le volant. Nous, les essais qu'on fait chez Peugeot, c'est marrant. Les gens ne veulent pas laisser le volant, quoi. Ils sont au volant. Quand on leur dit qu'il faut lâcher le volant maintenant, ils sont sur la N118, la route qui fait le tour de Paris, là, et bah, ils ne veulent pas lâcher, quoi. Non, vous êtes fous, il y a plein de voitures autour, je ne vais pas lâcher le volant. Et puis, en fait, quand ils finissent par lâcher le volant, on commence à discuter avec eux, puis là, ils perdent le fil, quoi. Enfin, ils s'aperçoivent que la voiture double correctement, qu'elle sait se ranger, et donc, ils finissent par plus s'intéresser à la route, quoi. Ça prend en moyenne un quart d'heure. Il y a des gens qui n'y arrivent jamais, hein, qui sont toujours très stressés jusqu'à la fin de l'essai. Et puis, il y a des gens, et puis en moyenne, ça prend un quart d'heure pour que les gens fassent plus trop attention à la route. Puis, il y a des gens qui voudront toujours conduire. Il y a des gens qui ont un plaisir de conduire, c'est important. Et voilà. Donc, ça, c'est la conduite autonome. On peut peut-être alterner, comme ça, ça peut. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Jean-Christophe, je crois que toi, tu nous as parlé tout à l'heure d'indexation de contenu hétérogène. C'est un projet en cours et qui est aussi aux fabriques. Accessoirement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille plus sur ma thématique de recherche et sur l'analyse d'images.
Et l'un des champs sur lesquels je travaille actuellement, c'est la bande dessinée. Donc la bande dessinée, c'est un support assez complexe, enfin, dans le sens où il y a à la fois des éléments graphiques, donc de l'image, mais aussi de l'information textuelle. Et dans une page de bande dessinée, on va trouver effectivement différents éléments, des cases, on va dire. Dedans, dans les cases, on va trouver des bulles, des personnages et puis des éléments de décor. Et donc tout ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'extraire l'information pour pouvoir ensuite essayer de comprendre le contenu d'une bande dessinée. Alors dans un premier temps, on a développé effectivement des méthodes très simples, basées sur des méthodes d'analyse d'image classiques, où on essaye de modéliser, enfin de dire voilà, qu'est-ce que c'est qu'une case, qu'est-ce que c'est qu'une bulle. Mais bon, c'est très compliqué parce que la difficulté de la bande dessinée, c'est que chaque auteur finalement a son propre style, même s'il y a une certaine codification. Chaque auteur est assez libre de représenter finalement ses personnages ou d'organiser ses pages de bande dessinée un peu comme il le souhaite. Et donc, effectivement, on s'est orienté un peu plus vers les approches de l'intelligence artificielle où on a essayé de présenter le maxi. Enfin, on parlait d'annotation tout à l'heure, hein, on s'est créé une base de données annotée, effectivement, qui était un très grand challenge puisqu'il fallait identifier voilà, qu'est-ce qu'un personnage, mais même pour un humain, quelles sont les limites du personnage. On a essayé de délimiter les zones de texte, les zones des bulles, etc. Et ensuite, on a défini, on a créé des modèles en fait, qui permettent de reconnaître, ces différents éléments. Donc, avec de l'entraînement, c'est vrai qu'on arrive à reconnaître, alors pas la totalité, mais une grosse partie. On arrive à reconnaître voilà, qu'est-ce qu'une case. Dans la case, on arrive à trouver les bulles, même des bulles complexes. Vous avez des bulles qui sont rattachées les unes aux autres. Le système est capable d'apprendre et à reconnaître cet ensemble de bulles. Et ensuite, on s'est penché également sur le texte. Alors, le texte, je vais distinguer deux aspects. D'une part, la détection du texte. Alors, effectivement, on a du texte qui se trouve dans les bulles, mais dans les bandes dessinées, on a aussi du texte qui va se trouver dans le décor. Par exemple, si vous avez boulangerie ou boucherie, voilà, c'est dans le décor, ce n'est pas dans une bulle. Ou alors, si vous avez ce qu'on appelle les onomatopées, quelqu'un qui va crier, ça va être symbolisé par ce qu'on appelle une onomatopée avec des styles très différents. Et là aussi, même si les systèmes de reconnaissance de caractère se sont développés, alors d'abord sur des approches assez classiques, on essayait de retrouver des caractéristiques. Maintenant, une grande partie des systèmes de reconnaissance utilisent effectivement l'intelligence artificielle. Mais ils ont été entraînés pour reconnaître, on va dire, des polices de caractère assez spécifiques. Et là aussi, la spécificité de la bande dessinée, c'est que chaque auteur, finalement, alors l'auteur ou plutôt le dialoguiste, c'est plutôt moins son style d'écriture qui est représenté dans les bulles. Et là, on tombe sur une multitude de styles différents. Et faire reconnaître le texte, enfin, identifier le texte et ensuite reconnaître, savoir que le mot bonjour, c'est bien le mot bonjour et pas autre chose, c'est assez compliqué. Et donc, on essaye de développer un certain nombre de techniques qui permettent justement d'extraire ces informations et de reconnaître le texte pour comprendre le dialogue. Et on a même essayé de développer des systèmes qui permettent de faire le lien finalement entre le personnage et la bulle. C'est-à-dire que la bulle, généralement, elle a une petite encoche qui est dirigée vers le personnage. Et donc, on a essayé de développer des systèmes qui sont capables de dire, ben voilà, ce texte est prononcé par tel personnage. Et donc, derrière, on peut imaginer plein d'applications. Par exemple, un enfant qui apprendrait à lire mais qui ne saurait pas lire, on pourrait avoir un système qui puisse faire de la lecture automatique. Et si on arrive à identifier les personnages, la même récurrence, enfin, la même instance du personnage, voilà, donner une voix précise, par exemple à Astérix ou à Obélix, c'est un exemple, on peut en prendre d'autres. Donc, on peut imaginer comme ça des applications où on exploiterait ces informations. Mais c'est vrai que la bande dessinée, ça, même si ça peut paraître amusant comme sujet de recherche, derrière toutes ces problématiques, la diversité, on parlait tout à l'heure de généricité des algorithmes, c'est-à-dire que lorsqu'on a appris effectivement un système à reconnaître les cases, il n'est pas capable de reconnaître les bulles. Donc pour chaque nouveau sujet, objet, on est obligé finalement de développer un modèle particulier. Et même sur le texte, on est capable effectivement de reconnaître certaines polices de caractère, certains styles d'écriture, mais voilà, notre objectif actuellement, c'est d'essayer d'avoir des méthodes qui s'adaptent et qui apprennent un peu par eux-mêmes finalement à reconnaître différents styles d'écriture pour éviter justement d'avoir, pour chaque auteur, avoir à développer un modèle particulier.
Et donc, pour ça, on a des projets de recherche. Et donc, on a une équipe et différents projets, avec le soutien d'ailleurs de la région Nouvelle-Aquitaine, qui finance certains de nos travaux. On avance sur ce sujet pour essayer d'indexer et de développer différents types d'applications. Et pour ça, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Actia Luna, qui est basée à La Rochelle, qui propose enfin, des outils un peu innovants pour notamment les éditeurs. Voilà. On va essayer de travailler avec certains éditeurs pour leur proposer des outils pour faciliter justement la création ou la traduction ou diverses applications possibles dans la bande dessinée. Voilà un premier sujet de recherche sur lequel on travaille. Oui, effectivement, ouais, c'est un projet qui a... Si je peux compléter, effectivement, je parlais de la notation, effectivement, la problématique que l'on avait, c'était de pouvoir avoir une base suffisamment annotée pour pouvoir apprendre, ce qui est difficile. Et l'un des champs de recherche sur lequel on travaille, c'est justement de travailler avec des données, très peu de données annotées, ou alors des données partiellement annotées. C'est-à-dire que voilà, l'un des objectifs, alors derrière l'image est une partie de la recherche effectivement en intelligence artificielle. On a dit que la barrière, c'était effectivement la quantité de données. C'est vrai que si une entreprise veut développer un système particulier pour un type de données, si on n'a pas l'ensemble des données, on ne va pas pouvoir le créer. Par contre, on essaye de travailler au développement de modèles qui puissent apprendre avec très peu de notées, de données annotées, ou alors avec un ensemble de données partiellement annotées et faire en sorte que le système puisse apprendre de lui-même. Et donc, on essaye de travailler sur ces aspects-là. Et c'est ce sur quoi on s'applique, notamment pour tout ce qui est reconnaissance des personnages, mais également reconnaissance des polices, reconnaître le texte en lui-même, notamment les différents styles d'écriture. Voilà. Merci Jean-Christophe. Effectivement, c'est un joli projet que je connais un petit peu. Vu qu'on est, on est ensemble au Fabrique et j'ai pu le découvrir. Et je pense que ça intéresse beaucoup quelqu'un dans le chat qui travaille sur la bande dessinée, et je pense que je vous mettrai en contact. Eh bien, d'ailleurs, on a une autre question qui me permet de faire une transition toute trouvée pour Axel, qui est la suivante. Donc, dans quelle mesure une IA pourrait-elle exécuter les tâches répétitives de la fabrication d'un dessin animé jeu vidéo ? Donc, Axel, tu as des entrées là-dessus, je pense. Ouais. Donc, alors, le premier un peu bémol, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tâches répétitives, quoi. Donc, chaque animation de personnage, chaque est un peu unique, quoi. Par contre, il y a des approches aujourd'hui sur le dégrossissement du travail. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, je veux animer une foule dans un dessin animé. Ça coûte très cher d'animer les personnages un par un. Donc, est-ce que je peux avoir un système qui va m'animer la foule automatiquement ? Donc, ça, oui, on l'a fait. Ça existe, il y en a plein. D'ailleurs, il y a plusieurs outils. Je ne vais pas citer d'outils en particulier, mais il y en a plein. Des très connus. Nous, on travaille avec un studio canadien là sur l'animation procédurale, c'est-à-dire en gros les animations de marche, de mouvement de la main, d'interaction avec le décor, tout ça, ça coûte cher en temps d'animateur. Et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent être, c'est pas automatisé, mais on va dire, on va faire un pré-travail. Donc, il va y avoir une première version de l'animation qui va être générée automatiquement. Et après, l'animateur va pouvoir se l'approprier et puis changer ce qu'il veut et la modifier en conséquence. Et puis, il y a aussi une étape plus loin, c'est dans certains studios, pas tous, mais notamment les gros studios comme Pixar, par exemple, les gens se posent la question de, finalement, est-ce que le métier d'animation ou de la modélisation n'est pas en train de changer ? Est-ce que, du coup, il ne faut pas revoir les fondamentaux ? Aujourd'hui, l'animation, c'est quoi ? C'est j'ai une pose clé, j'ai ma main comme ça. La pose d'après, j'ai ma main comme ça. Et le système, il va faire l'interpolation pour vous. Mais ça, finalement, ça n'a pas de sens. Le bras n'a pas de sens. Est-ce que ce bras, il est comme ça parce qu'il essaie d'arrêter une balle ? Et à ce moment-là, j'ai plutôt intérêt à dire, mets ta main pour arrêter la balle. Et comme ça, quelle que soit la balle, quand l'animateur va modifier la balle, la trajectoire de la balle, la main va se modifier toute seule parce que l'objectif, c'est d'arrêter la balle. Aujourd'hui, dans une séquence d'animation, je mets ma main comme ça, j'ai mis la main comme ça. Le mec qui gère la trajectoire de la balle va la changer, et ben faudra changer l'animation de la main derrière, quoi. Et donc il y a tout un re-questionnement sur est-ce qu'on ne devrait pas rajouter du sens dans les animations pour qu'ils soient capables de réajuster les animations quand on change des paramètres qui sont autour. Donc là, il y a pas mal de travaux qui sont menés là-dessus. Et après, il y a d'autres tâches qui sont plus répétitives, mais qui sont déjà bien industrialisées, alors pas par des IA, hein, mais
tout ce qui est texturing, tout ce qui est les matériaux qui recouvrent les objets, les vêtements. Les vêtements, ce n'est pas de l'IA, hein, c'est des modèles physiques qui évitent aux animateurs d'animer les vêtements, etc. Donc là, on a plein de domaines où on essaie d'automatiser les charges. En termes d'IA, pour tout ce qui est animation des personnages, notamment des visages, etc., c'est encore, on est encore dans la vallée de l'étrange, c'est-à-dire la zone où on a du mal à faire suffisamment réaliste pour que notre cerveau soit complètement trompé, et en même temps, on n'est pas suffisamment loin du réaliste pour que notre cerveau se dise c'est une métaphore, ça ne m'inquiète pas. Là, on est au milieu, le cerveau est un peu trompé en disant mince, c'est un humain, et en même temps, c'est tellement loin du réaliste qu'il se dit qu'est-ce que c'est que cet humain, quoi. Ça, c'est la vallée de l'étrange, hein, qui est assez connue, hein, en robotique, mais qui s'applique à plein de choses. Et donc, on est encore dans ce domaine-là pour les animations de visage, de personnages, où les systèmes automatiques ont du mal à générer des mouvements très, très naturels, mais ça s'améliore de jour en jour. Il y a notamment avec l'apprentissage de données, on part sur des vraies animations. Animateur, et on essaie de copier le style, ce qui a été fait pour pouvoir le retranscrire sur des nouveaux modèles. Donc là, on arrive à des systèmes qui sont assez, assez sympathiques, et donc ça laisse présager à l'avenir, en effet, de plus en plus de tâches automatisées et la création d'un dessin animé, plus comme un réalisateur qui va avoir des acteurs virtuels à diriger plutôt que des animateurs qui bougent les bras des personnages, etc. Il y aura toujours des animateurs, mais ils se contenteront de prendre le génération brute et de la retravailler pour avoir plus de finesse et rajouter du détail correspondant à l'histoire, à tout ce qu'on veut. Complètement, sachant qu'il faut savoir que quand on fait de l'animation à partir de motion capture notamment ou de technologies connexes, on passe énormément de temps à nettoyer les animations qui ont été produites par du motion capture, parce qu'elles prennent beaucoup trop de données pour que ce soit efficace et pertinent, et donc d'avoir une méthode de génération de ces animations qui prennent beaucoup moins de temps à nettoyer, donc passer beaucoup plus de temps qualitatif à affiner l'animation et la rendre plus réaliste, c'est un gain en termes de fidélité et aussi en termes financiers pour les studios qui produisent tous ces travaux-là. Ouais. On avait bossé avec Solidanim sur un nettoyeur de mocap automatique. Ça marche pas mal. J'en doute pas. Jean-Christophe, est-ce que tu veux aborder un autre projet ? Alors, il y a un autre sujet sur lequel on travaille effectivement, c'est la reconnaissance de visage, en fait, puisque de plus en plus on trouve des systèmes d'authentification. Hein. Si vous prenez l'iPhone par exemple, on peut effectivement, ou n'importe quel téléphone, enfin, plusieurs marques de téléphones portables proposent effectivement de déverrouiller en reconnaissant le visage. Et de plus en plus, certaines institutions veulent créer ce qu'on appelle des identités numériques. Et faire en sorte que notre visage, effectivement, puisse permettre de déverrouiller des accès à différents, votre compte bancaire, par exemple, ou n'importe quel type, site. La problématique de reconnaissance, effectivement, c'est que les attaques sont faciles. C'est-à-dire que si on présente une photo de quelqu'un d'autre, ou peut-être une vidéo de quelqu'un d'autre, puisque maintenant, on peut enregistrer une vidéo à son insu et la rediffuser, le système peut être trompé. Et donc, l'un des travaux sur le... Un des sujets sur lesquels on travaille actuellement, c'est de faire ce qu'on appelle la reconnaissance du vivant, de s'assurer que la personne qui est en face du système est bien une personne vivante. Donc là aussi, on essaye d'utiliser différents types d'informations pour s'assurer, soit en détectant des éléments explicites, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur d'avoir une action particulière, j'ai exagéré un peu, mais cligner d'un œil ou ouvrir la bouche ou sourire, ou alors on va avoir des détections un peu plus implicites où on va s'assurer, par exemple, qu'il y a bien le clignement des yeux, ou alors que la pupille va se focaliser sur le téléphone, parce que si on est devant une caméra, si on perturbe un peu l'utilisateur, son œil va forcément être attiré par ce qui se passe. Donc voilà, on essaye de développer des systèmes en se basant sur l'intelligence artificielle qui permettent d'en déduire que la personne est bien une personne vivante. Alors, on a plusieurs stratégies différentes, je ne vais pas tout détailler, mais pour permettre de s'assurer et éviter la fraude, puisque c'est ça le grand enjeu, hein, c'est éviter de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas une tâche très simple, hein, mais c'est l'un des sujets, effectivement, sur lequel on travaille.
Eh bien, effectivement, vu que tu parles de fraude, on va passer sur la dernière thématique avec les enjeux de l'IA, qu'ils soient tristement actuels ou les prochaines possibilités qu'on aura là-dessus. C'est vrai que dans les infos, on entend énormément parler depuis quelques années de tout ce qui est deepfake. Typiquement, avec des IA aujourd'hui, on est capable de, à partir d'une vidéo, remapper le visage de quelqu'un d'autre sur son propre visage et donc se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il y a des IA qui sont assez puissantes là-dessus. On a aussi GPT-3 qui a posé énormément de questions d'un point de vue éthique, étant donné qu'on est capable de générer beaucoup de choses extrêmement différentes, que ce soit l'image ou du texte, avec une fidélité quand même assez impressionnante. Et donc peut-être Axel, parler autour de ces problèmes d'éthique en termes d'IA. J'ai cité quelques exemples. Quelle position on a de ce point de vue-là aujourd'hui? Dans ces domaines-là, l'IA n'est qu'un outil. Et le véritable problème, c'est la surinformation et la qualité des sources. C'est-à-dire que vous dites, là, quand on parle de deepfake, on dit oh, génial, on a réussi à faire une fausse vidéo où on voit, je ne sais pas, Obama, par exemple, qui a des propos pas très naturels pour lui. assez étrange. Je pense que en fait, c'est notre foi dans la vidéo qui est mal placée. C'est-à-dire que quand vous lisez un article écrit, vous mettez en plus en doute qu'il écrit, puisque n'importe qui peut écrire. C'est juste que voilà, la vidéo en laquelle on avait confiance parce que c'était compliqué de la truquer, maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile. Mais en fait, il faut appliquer les mêmes raisonnements que pour l'écrit. C'est-à-dire, en gros, la première chose à se poser comme question, c'est qui est la source ? C'est-à-dire, qui m'envoie cette information ? D'où elle vient ? C'est pas forcément. Et du coup, comme d'habitude, avoir une approche scientifique, c'est-à-dire est-ce que ça cadre avec ce que je comprends, est-ce que ça cadre avec ce que je connais, quelles sont les bases, est-ce que la personne cite ses sources, quand est-ce que ça a été pris, où ça a été pris, à quelle date, ça nous permet de vérifier si l'information est vraie ou pas. Et ça, c'est essentiel. Et avec la surinformation et les enjeux actuels du traitement de l'information, il est essentiel que le public soit sensibilisé à qu'est-ce que c'est qu'une statistique, qu'est-ce que c'est qu'une corrélation, quelle est la différence entre une corrélation et une causalité, pourquoi quand on nous affiche des tableaux avec des camemberts, on nous fait croire qu'il y a des causes alors qu'en fait ce sont que des corrélations. Tout ça, il faut que les gens soient sensibles, ils soient formés dès le collège ou le lycée à distinguer ça, puisque c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Les informations sont partout. Les informations, c'est de la nourriture qu'on donne à notre cerveau. Donc, comme toute nourriture, c'est important pour nous, en tant qu'être humain, d'essayer de choisir quelle nourriture on file à notre cerveau. Et donc, essayer de ne pas regarder n'importe quoi, privilégier certaines sources. Et là, l'IA joue un autre rôle qui est pervers. C'est-à-dire que l'IA a tendance à privilégier les sources qu'on aime bien, les sources qui nous confortent dans notre image du monde, les sources qui nous demande le moins d'efforts de raisonnement possible, hein, que ce soit pour choisir votre prochaine série télé ou pour filtrer les news que vous recevez sur votre flux journalier ou celles que vous avez dans votre page Google ou même pour vos recherches Google. Hein, chaque recherche Google est personnalisée en fonction de la personne qui l'a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la bulle cognitive, c'est-à-dire que l'IA va avoir tendance à vous faciliter la vie, mais en fait, cette facilitation de la vie va avoir un effet très pervers qui va renforcer votre cerveau dans l'idée qu'il a du monde. Il faut savoir que notre cerveau a déjà un biais de base, un biais cognitif de base majeur qui est le renforcement cognitif. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir que les détails qui renforcent les idées qu'on a du monde. Tout le monde fait ça, c'est contre. Enfin, je veux dire, c'est une partie de votre cerveau qu'on a du mal à contrôler. Et l'IA va faciliter ça encore plus. Et aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est un peu de rugosité. On en discutait avec Frédéric Curien de l'ISI, on en a parlé au début. Il manque un peu de rugosité, quoi. On se retrouve avec des choses qui sont simples, où on nous prémâche les informations, elles nous arrivent toutes cuites. Elles nous correspondent, donc elles nous paraissent très vraisemblables, très crédibles, puisqu'elles correspondent à la vision qu'on a du monde, puisque l'ordinateur a filtré pour nous la news en fonction. Il ne les altère pas encore, mais peut-être que demain, ils altèrent les news pour vous les présenter encore de manière plus favorable.
mais ne serait-ce que déjà en triant les news qu'ils vous envoient, ils reflètent la vision du monde que vous avez. Donc, c'est comme si vous regardiez dans un miroir. Et ça, en termes d'esprit critique, en termes de créativité, en termes de développement du cerveau, c'est très mauvais. C'est-à-dire, en fait, vous avez un béni oui-oui qui vous dit oui à tout ce que vous dites. Ça peut être réconfortant et satisfaisant de temps en temps, parce que... mais en termes de développement cérébral et même créatif et idéologique, vraiment très mauvais. C'est la bulle cognitive, c'est un piège assez dangereux qui est assez difficile à désamorcer, parce que notre fainéantise naturelle va avoir tendance quand même à nous pousser Ah, on vient de perdre Axel. Je peux peut-être compléter. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà. Non, c'est vrai que on parlait de bulle cognitive, mais c'est vrai que tout ce qu'on fait tous les jours, en fait, on ne le sait pas, mais on récupère des données sur nous. C'est vrai que lorsqu'on sort sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on est un peu on est analysé et on a un profil. Les gens, si je prends Facebook, par exemple, il va nous profiler. Et effectivement, pour revenir sur ce que disait Axel, c'est qu'il va nous proposer des choses par rapport à nos habitudes. Et effectivement, on reste dans cette même bulle et on a toujours le même type d'information. Mais cette acquisition de nos données et cette utilisation, je vais prendre un exemple. C'était un sujet qui a été abordé il y a quelques mois et je ne sais pas où c'en est, mais le fait que, par exemple, certaines assurances pourraient très bien analyser, parce qu'elles ont des informations sur nous, elles peuvent analyser notre comportement par rapport à nos maladies, le type d'assurance que l'on prend, si on va au ski, etc. Et en fonction de nos comportements, elles pourraient techniquement dire cette personne est plus à risque, donc je vais lui donner ses cotisations sont supérieures à cette autre personne qui a une vie plus saine. Donc, cette collecte d'informations qui est relativement facile et parfois à notre insu, c'est ça la difficulté. On ne s'en rend pas toujours compte. Alors parfois, effectivement, on est informé, mais on ne va pas lire les petites lignes, et c'est ça la problématique. Donc, on collecte des informations sur nous. Donc c'est pour ça que le RGPD a pour vocation quand même à essayer de réguler un peu tout ça, mais tout le monde n'en a pas forcément conscience. Et toutes ces données, c'est l'exploitation de ces données. Voilà. L'exemple que je donnais sur les assurances, voilà, imaginons, parce que j'ai des comportements à risque, j'ai une cotisation du double de mon voisin, est-ce que c'est normal ou pas ? Après, je ne rentre pas dans la discussion, mais sur tous les sujets, effectivement, nos banques peuvent regarder dans nos dépenses ce qu'on fait et tirer des informations et voilà, nous proposer peut-être certains produits ou nous faire payer plus cher ou moins cher. Enfin, voilà. Sur tous les sujets, c'est une problématique. C'est l'acquisition de données. Là, on arrive sur les données personnelles, hein, mais c'est surtout ça le gros point, le point noir actuellement, c'est que les IA peuvent manipuler ces données et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Et est-ce que l'utilisateur est toujours informé de ce qu'on peut en faire ? Je parlais tout à l'heure effectivement de la partie éducation. On peut supposer qu'un étudiant lui dit, voilà, le système va contribuer à t'aider, mais pour ça, il faut que tu acceptes effectivement que tu sois étudié sous toutes les coutures, entre guillemets. Hein. Mais s'il refuse, le système ne va pas l'aider. Et donc, ça a du bon dans un sens, puisqu'effectivement, on peut l'accompagner dans ses apprentissages, mais l'épée pervers, effectivement, c'est, on va dire, selon son profil, l'enseignant qui a un peu l'habitude va dire, celui-là, c'est un cas désespéré, je ne vais pas m'en occuper. C'est aussi la dérive que ça peut avoir d'analyser les données et de se concentrer uniquement sur les données et statistiquement dire, cet étudiant, de toute façon, il n'y réussira jamais, alors que le rôle de l'enseignant, c'est plutôt d'identifier ceux qui ont des difficultés et de l'aider. Mais voilà, c'est une dérive, effectivement, de cette utilisation de données. Peut-être que je peux redonner la parole à Axel. Oui, merci, désolé, petite coupure. En plus de ça, il y a derrière ces données, il y a deux trucs importants. C'est que aujourd'hui, on a un modèle où les données représentent une valeur qui est louée pour des pubs, hein, principalement, c'est le modèle de Google. Il la vendent pas, hein, parce que s'il la vendait, évidemment, il n'aurait plus la donnée, ça ne les intéresserait pas. Donc, il la garde bien pour eux, mais ils vous louent des espaces à la place. Donc, c'est le premier modèle. Et c'est un modèle en fait qui est biaisé parce que économiquement parlant, l'intérêt de tout ça, c'est de faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est imaginons que mes données médicales soient proposées à des médecins pour les aider dans ces diagnostics, ce qui serait quand même
plutôt pas mal. Aujourd'hui, si je vais dans un hôpital puis dans un autre, j'ai quand même plein d'ennuis. Parce que mon dossier médical va mettre des semaines à suivre. Que, enfin, bon, à l'ère du numérique, c'est un peu terrible. Mais d'un autre côté, si demain, là, j'ai un que vous pourrez trouver sur Internet, hein, où les médecins disent, voilà, mon métier demain, il va changer parce qu'il y a des choses pour lesquelles analyser des radios, par exemple, moi, combien dans ma vie, combien j'aurais vu de radios de cancer du sein, par exemple, bah, peut-être 300 000 s'il a il vit longtemps et qu'il a, c'est un spécialiste. Et si c'est quelqu'un et une machine, elle peut traiter des milliards de radios de cancer du sein en quelques semaines. Donc techniquement, l'humain sera jamais aussi performant. Donc on revient à une partie du traitement va être fait par des machines. Donc le médecin revoit sa position par rapport à ce diagnostic. Il va toujours avoir un rôle clé, mais plus le même. Et du coup, on se dit, mais voilà, l'enjeu, c'est qui fait l'IA ? C'est quoi le but de l'IA au fond ? C'est-à-dire que si le but de l'IA au fond, c'est vraiment le bien-être du patient, pas de problème. Je veux dire, elle va faire au mieux pour le bien-être du patient. Mais si l'IA, elle est fournie par une boîte privée, qui elle-même est financée par une boîte de pharmacologie, qui du coup, quand elle a un doute entre deux diagnostics, va donner celui qui permet de vendre le médicament de la boîte de pharmacologie, là, la question d'éthique commence à se poser. C'est-à-dire que l'enjeu économique prime... On ne parle pas de tuer des gens, hein. Je parle juste de s'il y a un doute, je vais privilégier celle qui va me faire gagner plus d'argent parce qu'ils sont malins, ils ne vont pas faire des choses qui sont terribles. Mais ne serait-ce que ça, ce biais, il est important, il est vital. Et donc, il y a un enjeu des États aujourd'hui pour que certaines IA, et on parle d'éducation, on parle de santé, on parle de choses qui sont publiques, on parle de justice, enfin, il y a plein de domaines dans lesquels l'IA peut intervenir. Il est important que l'État mette en place aujourd'hui une souveraineté en public, c'est-à-dire qu'il défende avant les droits des citoyens, avant de défendre les droits des sociétés qui mettent en place les IA. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'effet inverse qu'on voit, c'est-à-dire qu'on confie nos informations à des moteurs de recherche américains, à des solutions de stockage de fichiers américaines. Voilà, l'Europe a les moyens de faire une plateforme de stockage. Vous n'allez pas me dire que l'Europe n'a pas les moyens de développer une plateforme de stockage. Il y en a certaines qui sont développées, mais voilà, l'éducation préfère signer des licences avec des gros Américains, c'est plus simple, il y a moins de développement à faire, tout ça. Il y a un enjeu important autour de tout ça et c'est à nous de nous poser la question, qu'est-ce qu'on veut, quoi ? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à est-ce que je vais utiliser Quant, hein, qui est un moteur de recherche français, qui garantit quand même pas mal la privauté des recherches qu'on fait dessus ? Les performances, on sait vrai, pas toujours aussi bonnes que celles que Google, parfois on arrive moins bien à trouver certaines choses, mais voilà, qu'est-ce que je suis prêt à donner en échange ? Et c'est vrai que ce don, on ne le fait pas vraiment consciemment. Il est subtil, il est discret, il est un peu pervers. On a de la chance qu'aujourd'hui, Google ne soit pas un État totalitaire qui décide d'utiliser toutes les informations qu'il a à notre sujet à des buts moins recommandables. Mais imaginez... La Seconde Guerre mondiale, avec les informations qu'on a aujourd'hui, le gouvernement allemand met la main sur les bases de données de Google et décide d'utiliser ces bases pour... les gens qui ont tel ou tel critère. Une base de données dont on parle, c'est-à-dire qu'en un instant, il aurait des millions de sites qui apparaîtraient sur son écran et qu'il n'aurait plus qu'à envoyer des gens, voire des drones, hein, pour continuer le délire dans l'IA, envoyer des drones pour aller procéder. Non, quoi. Donc, il faut faire attention. C'est pas encore critique, on n'est pas encore dans des zones trop dangereuses, mais on s'en rapproche avec la santé, l'éducation, et il faut voir aussi que le modèle où les données sont centralisées n'est pas un modèle technique, c'est un modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux très bien avoir les données qui restent chez moi, et le système d'IA fonctionne chez moi, et mes données ne sortent jamais de chez moi. D'accord ? Le fait de décentraliser les données, ça intéresse le modèle économique et pas du tout technologiquement parlant, c'est neutre, quoi. Il n'y a pas d'obligation d'avoir les données qui se baladent partout, d'avoir. Il n'y a pas d'obligation, il y a des moyens très subtils. Donc aujourd'hui, c'est un modèle économique et comme quand l'économie dirige tout, on sait très bien que socialement, ça peut poser des nombreux problèmes et éthiquement aussi. Et donc l'IA, c'est juste un outil qu'utilise l'économie aujourd'hui pour ramasser plus d'argent plus vite. Eh ben, il faut se poser les questions de où on met la barrière, quoi. Où on dit stop, il faut arrêter, là ça va trop loin socialement. C'est plus important de faire attention aux gens que de laisser l'IA continuer d'accumuler de l'information et de l'argent pour certaines sociétés. Donc je pense que l'enjeu est là,
il n'est pas trop tard pour réagir. La France a toujours été un pays assez en avance en intelligence artificielle. On a toujours eu beaucoup de laboratoires de recherche en intelligence artificielle. On n'a pas attendu l'avènement du deep learning. Hein. Jean-Christophe pourra confirmer. Oui, d'ailleurs, les grands groupes américains vont chercher des chercheurs français justement pour travailler sur leur système. Hein. C'est bien connu. Tout à fait. Non, mais alors, on n'a pas à rougir. On n'a pas les moyens des Chinois qui peuvent mettre des milliards sur des expérimentations d'un coup. Mais ça fait longtemps qu'on fait de la recherche. On a un système éducatif qui fait qu'on a des chercheurs qui sont assez talentueux en général. Et je parle moins que pour moi que pour Jean-Christophe. et du coup, on n'est pas mauvais. On aurait les moyens. Et en Europe, on n'en parle même pas. Au niveau de l'Europe, on aurait les moyens de se doter de ce qu'on veut, quoi. Des outils dont on a besoin au niveau sociétal. La question aujourd'hui, c'est les enjeux, c'est les décisions politiques, parce que c'est au niveau politique que ça se joue. Et donc, en tant que citoyen, c'est à nous d'être conscients de ce genre de problématique pour essayer de voter pour la personne qui va défendre ce qu'on pense être le meilleur pour l'avenir. C'est aussi à chaque citoyen de prendre conscience effectivement de l'utilisation de ces données, parce que pendant longtemps, la plupart des gens ne faisaient pas attention. C'est vrai que lorsqu'on s'inscrit sur un site, etc., on valide les conditions d'utilisation, on ne fait pas trop attention. Et si on se posait plus de questions, effectivement, on transmettrait moins de données. Le fait d'utiliser Alexa, les données sont traitées, non pas sur place, comme le disait Axel, mais voilà, sont envoyées. Quel est l'usage qui est fait ? Est-ce que c'est simplement pour améliorer le système ? C'est ce que disent les concepteurs. Ou est-ce que derrière, effectivement, on profile chacun des utilisateurs et quelle sera l'utilisation de ces données ? Donc, si jamais on se pose la question de savoir, ou alors lorsqu'on a le choix de privilégier les IA, les systèmes qui n'utilisent pas les données ou qui ne les envoient pas, on ne sait pas trop où. Parce qu'effectivement, en termes de réglementation, c'est vrai que l'Europe a essayé de cadrer les choses, comme on l'évoquait tout à l'heure avec le RGPD, ce qui est compliqué. Hein. Par contre, dès qu'on utilise les systèmes, les grands groupes américains, chinois ou autres, l'utilisation de ces données, on ne sait pas trop, et on n'a même pas la maîtrise de ces données. Et les récupérer, c'est compliqué. Et ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, il y a encore, grâce au RGPD chez nous, on est quand même protégé. C'est-à-dire qu'on force la main aux sociétés américaines à avoir des serveurs chez nous pour certaines données sensibles. On ne se rend pas compte de tout ce que l'État fait pour protéger nos vies privées quand même. Il y a un effort qui est bien supérieur en Europe que partout ailleurs dans le monde. On a une vraie conscience. Il faut la développer encore, hein, ce n'est pas parfait, mais au moins, il y a un début de conscience. Il faut continuer là-dessus. Et donc, pour continuer sur la lignée et dire jusqu'où on peut aller, parce que c'est une question à laquelle on n'a pas répondu un peu au milieu de session, jusqu'où l'IA pourrait aller, il y a une série qui est assez marrante qui s'appelle Westworld, où dans la dernière saison, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui est capable de prédire, qui a un modèle tellement parfait de ce qui se passe autour, qu'elle est capable de dire au moment où la personne naît, en fonction de son système social, de ses parents, etc., quel va être son avenir et les potentiels de chance qu'elle a dans tel ou tel métier, etc. Et en gros, il y a certains humains qui sont jetables parce que leurs chances sont inférieures à d'autres, statistiquement, et donc ils sont moins importants dans la société. Voilà, c'est là où on peut aller. Enfin, c'est le risque si on continue de laisser les machines. Il faut quand même penser que tout n'est pas déterministe, tout n'est pas déterminé. Heureusement pour nous, le chaos joue encore un rôle qui soit généré ou qui soit inhérent à la nature. Ça, c'est plutôt philosophique, mais en tout cas, l'humanité reste un processus chaotique globalement. Et donc, du coup, rien n'est prédéterminé. Et même si les stats peuvent donner des informations, les stats sont une science géniale, mais elles ont des limites fondamentales. Et donc, il est important de s'en servir en tant qu'outil, mais pas en tant que maître. Les stats sont avant tout un outil et les machine learning tels qu'on le fait aujourd'hui, qui sont inspirés des statistiques, hein, sont aussi des outils qui sont géniaux, mais attention, le maître, ça doit rester la personne qui utilise l'outil et pas l'outil, quoi. C'est ça. Entre guillemets, même si tout cet apanage d'informatique, de puissance de calcul, de modèles théoriques donne des résultats extrêmement importants, en fait, le plus important, est-ce qu'il doit rester au cœur de tout ça, c'est les relations humaines. Et pourquoi je le fais ? Pourquoi j'utilise cet outil ? Complètement. À quoi il me sert ? Quel rôle il va jouer ? Et ça, c'est à nous de nous poser la question. Pourquoi je veux une IA demain ? Pourquoi, à quoi elle va me servir ? Quel va être son rôle ? Du coup, pour répondre à une question du chat, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ? Peut-être Jean-Christophe, tu veux réagir ? Enfin, tout à l'heure, j'ai un peu abordé la question. C'est vrai que pour le moment, dans l'état des connaissances, non, puisque les IA,
l'utilisation des données qu'on... Enfin, on peut développer des IA qui vont utiliser les données au détriment de certaines personnes. Enfin, ça, c'est un risque dont on peut avoir peur si on ne fait pas attention à l'utilisation de ses propres données. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, c'est vrai, tout ce qu'on peut voir dans les films de science-fiction où les IA vont prendre le contrôle de telle ou telle chose, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Mais, bon, c'est difficile de dire... Enfin, comme le disait Axel tout à l'heure, on veut des IA un peu plus performantes, qui puissent apprendre seules, qui puissent être un peu généralistes. Mais parce qu'on a des objectifs bien précis et des applications que l'on souhaite mettre en œuvre. Après, voilà, c'est les IA, oui, comment on les applique et surtout se mettre des garde-fous également pour éviter des dérives. C'est ça le principal. Donc il faut que chacun soit conscient des utilisations qui sont faites, même si elles deviennent plus performantes. Il faudra peut-être se mettre des garde-fous pour éviter effectivement certaines dérives, comme je le disais. Effectivement, l'IA, comme le disait Axel, ça doit rester un outil. Et après, la question qu'on doit se poser, c'est qui tient l'outil, qui l'a fait, et quelles sont ses intentions. Mais en soi, l'IA, oui, ça reste une machine. Une machine, c'est très bête parce que ça ne fait que ce qu'on lui demande. Alors, voilà, pour le coup, en IA, on fait des trucs. Nous, ça nous arrive de faire des propositions. Enfin, l'IA peut être force de proposition. Alors là, ça qui est un peu différent des outils traditionnels. C'est que... Mais si tu la laisses force de proposition, après, c'est toi qui vois. Ouais, mais c'est toi qui lui demande parce que tu as envie. Tu as envie qu'elle raisonne pour toi sur des domaines compliqués. Tu as envie qu'elle t'aide dans des... Donc, tu as envie qu'elle soit force de proposition. Ça fait partie de l'enjeu. Mais après, il ne faut pas prendre la proposition, l'accepter telle qu'elle. On peut peut-être la remettre en cause. Il ne faut pas prendre ça pour agent comptant et forcément dire que la conclusion qui a été tirée par l'IA est la seule option possible. Il faut aussi avoir un esprit critique, on va dire, et pouvoir éventuellement... Tout comme quand on discute avec une autre intelligence, d'ailleurs, qui ne soit pas artificielle. Complètement. L'esprit critique, c'est absolument vital. C'est la défense principale. C'est ça. Et du coup, en termes d'éthique, il y a un enjeu intéressant d'IA, c'est que... Alors, tout le monde connaît les lois d'Asimov, qui sont censées un peu bloquer les IA. Et en fait... l'éthique pour une IA vient essentiellement du fait qu'elle soit capable d'anticiper les conséquences de ses actions. C'est-à-dire, et ça c'est complexe parce que ça demande des IA assez évoluées. Une IA simple, elle fait des corrélations, elle va dire bah, il se passe ça, je vais faire ça, mais l'action qu'elle va faire, mesurer les conséquences exactes de cette action dans le futur, qu'est-ce que ça va engendrer, c'est très complexe pour elle de le savoir. Et donc aujourd'hui, les IA sont la plupart du temps incapables d'avoir un comportement éthique parce qu'elles sont très peu capables d'anticiper les conséquences de leurs actions. Si je ferme une porte à clé, je suis une IA d'un immeuble, je décide de fermer une porte à clé parce qu'il y a un incendie, c'est le protocole, je vais fermer toutes les portes pour pas que le feu se propage, par exemple. Et ben voilà, c'est mon protocole, je vais l'effectuer. Est-ce que quand il y a quelqu'un dans la pièce, c'est intéressant de fermer la porte à clé? Est-ce que je ne devrais pas la laisser ouverte un peu plus longtemps? Ça veut dire qu'il faut que l'IA soit capable de projeter, de se dire si je ferme la porte, elle ne pourra plus sortir. Si elle ne peut plus sortir, le feu va se propager. Est-ce que si le feu se propage, je suis en train de la protéger du feu parce qu'il est à l'extérieur? Ou est-ce qu'au contraire, je l'empêche de s'enfuir et elle va finir par mourir étouffée? Ça demande à une IA de concevoir quand même des scénarios dans le futur, d'évaluer l'évolution de l'incendie. Et c'est très complexe, quoi. Et du coup, aujourd'hui, l'éthique des IA peut être embarquée. C'est-à-dire qu'on peut embarquer des connaissances éthiques à l'IA, les mêmes que celles d'un humain, parce qu'en éthique, on n'est pas très fort non plus. Les humains sont un modèle, enfin théoriquement, on a des modèles pas trop mauvais, mais il y a plein de domaines éthiques qui sont complexes. Hein, et c'est un champ de la philosophie assez prolifique. Et donc, du coup, on demande à des IA de faire des choses que l'humain déjà a du mal à faire, et alors qu'elle n'a pas toujours les capacités. Donc, il y a aussi des capacités qu'il faut donner à ces IA pour qu'elles soient capables de se rendre compte de l'avenir et donc d'évaluer les conséquences. Et on peut envisager des IA bienveillantes. C'est-à-dire, c'est pas un... Au contraire, c'est même elles sont plutôt bienveillantes. Aujourd'hui, les IA sont ce qu'on appelle collaboratives. C'est-à-dire, elles font ce que vous lui demandez, quoi. En gros, c'est ce que disait Charles-Alexandre. On leur demande des choses, elles nous sortent la réponse. Et nous, les IA sur lesquelles on travaille, c'est plutôt des IA qu'on appelle... push, enfin elles sont capables d'aller chercher elles-mêmes des informations toutes seules, elles sont capables de venir vous voir si elles ne comprennent pas quelque chose pour vous demander une explication. Donc on a des IA qui sont plus humaines, hein. On est encore loin des humains, mais qui sont moins au service, quoi. Mais malgré ça,
on peut imaginer. Et puis, est-ce que ce n'est pas un monde qui serait intéressant, un monde dans lequel les humains pourraient se concentrer sur des tâches qui leur plaisent, plus créatives, moins répétitives, hein. Les tâches répétitives auxquelles l'IA est la plus forte sont quand même des tâches qui sont la plupart du temps très pénibles pour des humains. Scanner des millions de radios pour un radiologue, c'est l'enfer. Ça a un intérêt assez limité finalement. Alors que l'ordinateur, il s'en fiche, il ne fatigue pas, il n'a pas de notion de frustration. Donc du coup, je pense que il y a possibilité que cet outil nous amène un avenir radieux. Et, voilà. Et alors après, il a un coût, il a des dangers, il a... c'est comme pas mal d'inventions nouvelles, hein. Le nucléaire, c'est un peu pareil, hein. Ça a amené une source d'énergie qui a été colossale, incommensurable. Ça a aussi amené des guerres, des bombes. Il faut faire attention, ce sont des outils, à la défaut des outils traditionnels, ce sont des outils qui sont un peu autonomes, hein, qui peuvent nous dire des choses, nous apprendre des choses. Donc, il y a une espèce de magie. Puis, à ce côté un peu, l'humain se prend pour Dieu. C'est-à-dire, on crée des êtres quasi-pensants. Donc, il y a aussi cette limite culturelle et qui est forte. Hein. Ça remet en question la divinité. Donc, il y a ce côté philosophique qui est important. Est-ce que culturellement, on est prêt vraiment à se prendre pour Dieu? Alors, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, hein. Il y a la génétique, il y a plein de domaines où l'humain se prend pour Dieu. Mais ce sont des enjeux intéressants, c'est sûr, et qu'il faut avancer sociétalement. Et ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est qu'une élite s'empare de ces questions et décide pour l'ensemble de la population. Et je pense que c'est pour ça que Jean-Christophe et moi sommes là ce soir, c'est pour que tout le monde... et la même vision, les mêmes informations pour que tout le monde puisse décider consciemment qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, dans quelles conditions, etc. quoi. C'est ça qui est très important. Moi, je suis un profond fervent de l'éducation. Je pense que le meilleur remède contre toutes les injustices, ça reste l'éducation, l'esprit critique. Super. Ben, merci de ce dernier message plutôt positif pour dépasser un petit peu les craintes que peuvent susciter l'IA dans la représentation telle qu'elle en est faite dans la presse notamment et dans d'autres médias. Je vais solliciter un petit peu le public. Est-ce qu'il vous reste des questions? Et si tel est le cas, c'est le moment de les poser. Peut-être Jean-Christophe, un dernier point sur lequel tu souhaites intervenir? Non, pas spécialement, je pense qu'on l'a évoqué, la conclusion d'Excel était très bien, donc je ne vais pas revenir dessus. Non, mais c'est ça, enfin, il faut avoir conscience, effectivement, de l'utilisation qu'on peut faire de ces IA. Enfin, on parlait de tâches répétitives, effectivement, il existe beaucoup de systèmes qui permettent de simplifier, et c'est vrai que le premier enjeu, c'est effectivement peut-être de rendre notre vie un peu meilleure. La problématique, effectivement, c'est de se laisser un peu déborder en mettant, je ne vais pas dire trop de pouvoir, mais en laissant trop le contrôle aux IA et perdre un peu, enfin, justement, perdre le contrôle au fil des IA. C'est un peu le danger. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe et pas voilà, dire effectivement l'outil est super, mais quelle est la conséquence effectivement de l'utilisation? Est-ce qu'il peut y avoir des impacts? Et si on est capable de faire ce choix, effectivement, on prendra les bonnes décisions. Voilà, ben merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions, donc ne partez pas tout de suite. Je vais repasser la main à Laetitia. Avant cela, je vous remercie de l'attention que vous nous avez portée. J'espère qu'on a répondu à peu près toutes vos questions. Il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On ne va pas traiter l'IA en 1h30. C'est absolument impossible. Mais en tout cas, ben, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir, Jean-Christophe et Axel. Sur ce, Laetitia, je te repasse la parole. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges, c'était très enrichissant. Donc, une dernière fois, comme je vous le disais en introduction, donc, vous aurez un replay, donc surveillez nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube aussi, on mettra ça en ligne. Donc, vous pourrez re-regarder et transmettre le lien à vos collègues, famille et amis. Et donc, voilà, on a une dernière question, on a peut-être 2 minutes pour y répondre. Sans faire de publicité, connaissez-vous des plateformes éducatives douées pour l'IA? Donc, je ne sais pas si Axel ou Jean-Christophe veut répondre
sur cette question-là rapidement, peut-être en une minute. Donc, bah, y a un lien déjà. Mathia, Camille, Jean-Paul sur le chat. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut attendre de l'IA dans une plateforme éducative, je ne sais pas si elles l'ont tout implémenté, mais ce qui est l'état de l'art de base, c'est moyennant une annotation des exercices qu'on fait faire aux étudiants, on est capable aujourd'hui assez facilement d'évaluer les concepts que l'étudiant a appris et ceux qu'il n'a pas appris, enfin pas compris. Du coup, comme les exercices sont annotés, puisqu'on est obligé de les annoter pour pouvoir évaluer, on est capable de proposer des exercices en fonction de ce qui a été compris et pas compris, donc d'être toujours à la frontière des connaissances de l'étudiant. Et du coup, d'avoir des synthèses globalement des niveaux des concepts appris et pas appris par les étudiants. Donc ça, c'est ce que devrait proposer, selon l'état de l'art actuel. On ne parle pas de scientifique, on ne parle pas d'article très en avance. Là, je parle de ce qui a été industrialisé. C'est ce que devrait pouvoir proposer la plupart des plateformes d'IA. À ma connaissance, je ne sais pas lesquelles proposent ça, je ne fais pas une veille sur les plateformes éducatives, mais il faut vous inspirer de l'API TinCan et XAPI, je ne sais pas si vous connaissez, je vous le mets dans le chat. Voilà, avant il y avait, c'est la même chose, enfin c'est deux noms pour un truc qui est très proche. Avant il y avait comment ça s'appelait ce tab dans les LMS, le système de notation, on disait qu'elle était pas Scrum, Scorm, merci, je suis fatigué. Il y avait l'approche Scorm, merci, Scorm qui était la base, et en fait Scorm c'est très faible, c'est une note globale, ça ne sert pas du tout à faire du suivi d'apprenants. Donc il y a eu des normes qui ont été mises en place, qui sont TinCan et XAPI, qui sont les évolutions de Scorm, qui permettent d'avoir des assessments, c'est-à-dire en gros des traces, des apprentissages et de l'apprenant, de ce qu'il a fait, des interactions qu'il a eues. Et aujourd'hui, il y a des Learning Resource Systems, donc des LRS, qui permettent de stocker ces informations. Donc Moodle, tout ça, propose des LRS déjà, c'est déjà dans l'air du temps. Et donc ces LRS, derrière, c'est assez facile de brancher des plugins qui vont analyser ces traces et en déduire où est-ce que l'étudiant a réussi, où est-ce qu'il n'a pas réussi. Mais tout ça n'est possible que si en amont, j'ai annoté les exercices et les interactions que je propose à faire à les étudiants. Et là, par contre, on est très en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas sensibilisés à ça. Quand je fais un QCM, moi en tant que prof, je fais un QCM, je fais la bonne réponse, puis je fais deux, trois réponses au hasard qui sont fausses. En fait, c'est mauvais. Les fausses réponses devraient être des réponses réfléchies qui devraient correspondre à une mauvaise compréhension d'un des concepts de l'étudiant qui l'amènerait à répondre cette fausse réponse. Et du coup, quand il répond cette fausse réponse, non seulement je sais qu'il a répondu faux, mais en plus j'ai un pointeur vers le concept qu'il n'a sans doute pas compris, ce qui permet au système informatique de rediriger l'étudiant vers les cours correspondants. Aujourd'hui, cette annotation de l'interaction de l'étudiant avec la machine d'apprentissage, elle existe peu ou pas, et surtout, elle est très pénible à faire a posteriori. C'est-à-dire, quand je crée un contenu, ce n'est pas très compliqué de noter les interactions que je propose, des QCM, des trucs comme ça. Mais quand j'ai créé tous mes QCM, les reprendre a posteriori pour rajouter toutes les notions, etc., là, ça coûte cher, quasiment aussi cher que de refaire le QCM. Et donc, du coup, c'est plus compliqué, c'est plus long, prend plus de temps. Mais aujourd'hui, clairement, on devrait avoir tout ce que je vous ai décrit, c'est l'état de l'art, ça devrait être présent dans la plupart des plateformes d'apprentissage. Oui, en fait, c'est un domaine de recherche assez à la mode en ce moment, ce qu'on appelle tout ce qui est learning analytics, c'est justement étudier toutes les traces que l'on laisse les étudiants, et certaines plateformes, on parlait de Moodle tout à l'heure, commencent à exploiter. Les environnements numériques de travail que l'on a à l'Université de La Rochelle, par exemple, mais dans d'autres universités françaises, regardent un peu également le comportement des étudiants pour, on va dire, voir un peu déjà s'ils viennent souvent sur les plateformes, s'ils utilisent les services numériques. Donc, on peut, alors on ne le fait pas, mais on pourrait effectivement, on a des statistiques, donc simplement d'utilisation, mais on pourrait aller plus loin si on le voulait. Mais bon, pour l'instant, pour la raison éthique, on ne le fait pas. On pourrait voir effectivement quels sont les étudiants qui se connectent. Est-ce qu'ils vont voir réellement, est-ce qu'ils utilisent tel ou tel service, ce qui permettrait d'en déduire est-ce qu'il a des chances de succès ou pas. Mais voilà, mais on ne le fait pas, mais on pourrait. Voilà. Ouais, l'Université de Poitiers a un projet assez avancé. J'en discute avec François Le Soulier sur des outils justement d'aide au suivi des étudiants. Puis alors, c'était bien avant le Covid, mais du coup, avec le Covid,
ça s'applique encore plus puisqu'on perd un peu nos étudiants de vue quand même, c'est pas facile de les revoir souvent. Et donc du coup, savoir ceux qui décrochent, ceux qui n'arrivent plus à suivre, c'est très important parce que ça nous permet d'enclencher des traitements spécifiques, hein, des appels au téléphone, de savoir ce qu'ils deviennent, est-ce que ça va, est-ce que psychologiquement ils ont besoin d'un soutien, est-ce que faire une dérogation pour eux spécifiquement pour qu'ils puissent revenir éventuellement une ou deux journées à l'université de temps en temps pour remonter le moral. Enfin, les enjeux sont critiques. Et puis là, le CNAM, nous, à Lunchmin, on a lancé une licence où il n'y a plus de profs. Donc, les cours sont tous à distance. Et en plus, il n'y a plus de profs. Donc, les élèves peuvent consommer les cours quand ils le veulent. Il y a une animatrice pédagogique qui est là, justement, pour que la consommation des cours se passe bien, pour favoriser l'entraide entre les étudiants, pour faire des revues de pair à pair, pour favoriser le développement et les compétences transverses. Et du coup, elle, cette personne, a besoin d'outils qui lui font gagner du temps pour suivre où en sont les étudiants, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font, et pouvoir mieux les accompagner. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est ce qui nous permet d'ouvrir des formations assez pointues à des pays en voie de développement, par exemple. On a pas mal de demandes de pays comme l'Afrique pour développer des marchés comme le jeu vidéo. Et aujourd'hui, propulser une formation qu'on a en France, en Afrique, ça coûte une fortune. Hein. Faut envoyer des profs là-bas pendant plusieurs mois pour former leurs profs, etc. Et c'est plus d'actualité. Donc aujourd'hui, être capable de mettre en ligne des contenus de cours pédagogiquement bien construits, où les étudiants sont assez autonomes dessus et où finalement on a juste besoin d'un encadrement juste. C'est quand même un encadrement compliqué, hein. C'est quand même un professeur, hein, qui fait ça. Mais on a juste besoin d'un encadrement d'animation pédagogique. Ça, c'est un vrai enjeu. De toute façon, le rôle de l'enseignant est en train lui aussi d'être vu, hein. C'est pour le coup pas moi qui dis ça, ce sont les rapports européens, américains, français, canadiens, tout ce que vous voulez, ils sont pour une fois tous d'accord. Donc sur les pédagogies où finalement l'enseignant n'est plus ce puits de savoir, puisque le savoir, je l'ai sur ma montre connectée, donc j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me le dit, et en plus ma montre connectée, elle se met à jour instantanément, alors que le prof, il faut qu'il lise pas mal de documents pour se mettre à jour. Donc du coup, exception faite des enseignants-chercheurs qui sont en avance dans un domaine, ça, c'est particulier, mais l'enseignement traditionnel, on va dire, aujourd'hui, l'accès à l'information n'est plus souci. Donc, la question, c'est comment je peux ingurgiter cette information pour qu'elle serve de base et de fondement à des futurs apprentissages. Parce que les étudiants ont tendance à se dire, puisque j'ai accès à toutes les informations, je m'en fous, j'ai rien besoin d'apprendre. Tout est sur Internet, j'aurai qu'à chercher sur Internet. Sauf que si mon cerveau n'a pas été capable d'emmagasiner certaines bases, de créer certaines connexions, je ne vais pas être capable de comprendre les informations du dessus, et ainsi de suite. Et donc, je vais limiter mon horizon d'apprentissage, ce qui est quand même un effet très néfaste de l'accès à l'information rapide. Et on revient à l'effort, hein, dont on parlait tout à l'heure, il faut faire un peu des efforts de temps en temps. Et du coup, c'est très important qu'on soit capable, que l'enseignant soit plus un animateur qui veille au bien-être des étudiants, qui essaie de rattraper ceux qui sont en retard, parce que c'est surtout ça qui est important, on veut donner une chance à tout le monde. Et donc du coup, pour ça, tous les moyens sont bons pour pouvoir l'aider, pour qu'il puisse avoir les meilleurs outils. Et là, je pense que ce serait le sujet de notre débat, quel est le rôle de l'enseignant finalement, le rôle de l'enseignant. Car effectivement, là, il y a aussi des courants qui s'affrontent, entre guillemets, entre la place de l'enseignant dans l'enseignement. Est-ce qu'il peut être remplacé effectivement par des outils, ou est-ce qu'il faut faire des cours en distanciel ou en présentiel? Voilà, il y a plein de choses sur ce... Tout à fait. C'est un sujet très prolifique. Oui. Alors, moi, on ne parle pas de remplacer l'enseignant, hein, mais disons, doter d'outils en tout cas. Oui, mais bien sûr, la façon d'enseigner doit changer, d'après ce que tu disais. Mais ça, tout le monde n'est pas d'accord sur cette façon de faire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est noté. Un autre débat. C'est vaste noté. Sujet. Merci beaucoup. Vaste sujet, vaste débat. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour la richesse de vos échanges. Charles-Alexandre, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, voilà, moi je vous rappelle une dernière fois le prochain webinaire le 25 février sur la collaboration créative sur Internet. Voilà, merci à tous les participants pour votre présence. Merci Laetitia. Effectivement, j'ai quelques remerciements à adresser. Donc, un grand merci à l'ensemble des équipes du Fabric qui nous ont permis d'organiser cet atelier débat, et particulièrement à Victor qui m'a aidé à le préparer. Un grand merci également à l'ensemble de nos partenaires et financeurs. Donc, je le rappelle, la communauté d'agglomération Grand Angoulême, la Nouvelle-Aquitaine, l'État français, l'Union européenne. Aussi à notre université tutelle, l'université de Poitiers, la MSHS et le CNRS. Un grand merci également aux équipes de Recatech et particulièrement à Laetitia pour l'organisation, la co-organisation de ces événements.
Et aussi, donc, un grand merci à mes intervenants, Jean-Christophe Burry et Axel Bouedia, pour leur temps qui est précieux. Laetitia. Merci à tous et bonne soirée.